Pour Noël, 5 classes de maternelle ont participé à un escape game. Les enseignants et leurs élèves ont confectionné les décors, étudié un album de littérature jeunesse et se sont entraînés aux épreuves du jeu sur TNI et tablette. Vous êtes prêts à aider le Père Noël ? Oui ! Il va y avoir des groupes de 5 ou 6 élèves qui vont partir avec une tablette. On doit retrouver les clés qui sont cachées dans l'école. Donc il va falloir suivre la carte. 8 défis à relever dans toute l'école. Les élèves mobilisent leur attention pour écouter, chercher, manipuler et décoder les indices pour trouver les clés. On se met derrière Anna, on laisse Anna bien scanner et on écoute bien. On écoute bien. Vous êtes bien arrivé dans la salle de motricité. Dans cette pièce, j'ai caché 12 clés. Il va falloir que vous retrouviez, sans les toucher, toutes les clés et vous mettez une petite croix sous la clé que vous avez trouvée. J'ai rien trouvé. Alors, voilà l'indice que le renne nous a laissé. Il va falloir que vous trouviez où la clé est cachée. Sur en dessous du sac de Père Noël. En dessous du sac du Père Noël. Je vais y aller. Quelque chose, vous pensez que c'est la clé ? Qu'on met dans l'enveloppe. Et c'est Asile qui est responsable de l'enveloppe des clés. Ensuite, deuxième épreuve. Donc, nous étions en salle de motricité. Où devons-nous aller ? Alors, quel est cet endroit ? Allez, c'est Arthur qui va scanner les explications qui se trouvent là. Je savais bien que vous réussiriez à arriver jusqu'ici. Il faut retrouver les bons chiffres, d'accord ? Donc ça, vous pouvez le faire en même temps ensemble, le 6 avec le 6 et ainsi de suite. Ouais, tu as compris ? Ouais. Non, le 2 n'est pas ici, Anna. Le 2 est là, ma bichette. C'est juste que là, ça n'a pas été mis au bon endroit, tout simplement. Alors, on remet bien. C'est bon, on a fini. Alors, je pense qu'il doit y en avoir qui ne sont pas traites. Je le savais ! On n'a pas fini, viens. Le tableau. Il y a une clé. Et nous y trouvons une clé. Bravo. Les activités pédagogiques ont favorisé l'autonomie, la coopération des élèves et développé leurs compétences langagières et civiques.